Hey, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du Fantastique Phil, alias moi Alex. Et puis, cette fois-ci, deuxième partie de notre série Horreur italienne. Dans le fond, on va parler de la série des Casos. C'est quoi ça, la série des Casos, juste? Eh bien, sachez-le. Ou si vous le sachez, ben, vous le sachez déjà. En Italie, on a déjà parlé de la série des démons. On sait que les Italiens, ben, c'est ça, ils faisaient des séries un peu comme ça lui tentait, avec des affaires qui n'avaient pas souvent commencé. Puis c'est ça qui est arrivé avec la Casa. Dans le fond, la Casa, c'est ni plus ni moins, les deux premiers films de la Casa, c'est ni plus ni moins Evil Dead. Fait que les deux premiers Evil Dead sont sortis en Italie, sous le titre de la Casa. Donc, et voilà, fait que la Casa 1, Evil Dead 1, la Casa 2, Evil Dead 2. Puis, les Italiens, comme je les aime, ont décidé, eux, de faire une suite. Un peu comme ils ont fait avec Zombie 2, qui était une suite à Dawn of the Dead. Ils se sont dit, qu'on va faire une suite à Evil Dead 2, qui va s'appeler la Casa 3, mais qui aura fuck all rapport avec Evil Dead 1 ou 2. Et puis, ce merveilleux film, dans le fond, c'est Ghost House, qui a été, plus ou moins, le titre américain, si on peut dire, et le titre français, qui est La Maison du Cauchemar, que moi, c'est mon titre préféré de loin. Maison du Cauchemar qui jouait à TQS, quand même, qui a joué une couple de fois dans le fond à TQS à la fin des années 80. Moi, c'est là que j'ai découvert, dans le fond. Puis, en Italie, ben, c'était connu sous le nom de La Casa 3, réalisé par nul autre que Umberto Lenzi, sous un beau pseudonyme qui est Humphrey Humbert. Non, c'est pas ça, pas tout ça. C'est vraiment, vraiment ordinaire comme pseudonyme. Donc, La Casa 3. Un beau film, une belle vue, comme toujours. Et puis, réalisé en 1987, dans le fond, qui a été tourné entièrement aux États-Unis, un peu comme les Italiens faisaient dans ce temps-là. Ils tournaient des films, ils venaient tourner des films aux États-Unis avec des acteurs souvent américains, quelques-uns italiens qui amenaient qu'eux autres dans leur bagage. Puis, probablement sans permis, sans aucune autorisation, ils arrivaient puis ils filmaient des plans, puis ouais, on fait ça, on met ça en boîte, on sac notre camp, etc. Fait que j'ai mon petit livre, parce que j'ai pris des notes. Parce que La Maison du Cauchemar, ça faisait un petit bout que je l'avais pas écouté. Et je me disais, ça pourrait être le fun de se rafraîchir la mémoire. Et voilà. Donc, j'ai réécouté ce film. Le film, en gros, dans le fond, c'est très simple, ceux qui l'ont pas vu. Je vais essayer de pas trop faire de spoiler. Le film débute à la fin des années 60. Dans le fond, c'est un couple assez âgé qui vit dans une maison en Nouvelle-Angleterre. Et puis, ils ont une petite fille qui a un genre de fucking clout. Il y a un fucking clown, clout, il y a un flou. La fille, elle a un clown, un genre de catin, là, un genre de grosse poupée. Puis c'est un clown, puis il est lit. On le voit d'ailleurs sur la pochette, là. Je sais pas si vous allez le voir. Là. C'est lui, il est site, là. Il est vraiment beau. Et puis, c'est ça. Puis là, Mané, son père, il découvre que la petite fille, elle a comme tu un chou. En tout cas, c'est peut-être elle, c'est peut-être pas elle, on sait pas. Puis là, ben, il la réprimande. Comment as-tu pu faire ça, une créature du bon Dieu, sale petite, pas fine? Fait que blablabla, puis là, bon, c'est ça, là, ils vont voir sa femme, c'est épouvantable, notre fille a fait ça, ça n'a pas de sens, nanana. Et là, ce qui arrive, c'est que les deux trouvent la mort, mais d'une manière extrêmement violente. Le père, il mange un coup de couperet, de genre de boucher en arrière de la tête, bien solide. Et sa femme se fait zigouiller avec un couteau de boucher, justement, qu'elle se fait... Ben, la première fois qu'il arrive, il y a un miroir qui explose, elle reçoit un écharpe dans l'œil, qui lui crève l'œil. Fait que ça, déjà, là, c'est violent. La violence, c'est une constante chez les Italiens. Puis, là, après ça, elle se fait poignarder dans la gorge avec un genre de gros couteau de boucher, avec un beau cri de... Puis, ben, là, c'est fini. Là. Puis là, d'ailleurs, c'est une main comme une genre de main gantée. On sait pas trop c'est qui. C'est-tu le fils? C'est-tu pas le fils? C'est-tu un fantôme? On sait pas. Fait que là, c'est ça. Fait que là, après ça, l'histoire reprend, mais 20 ans plus tard. Avec un merveilleux couple, dont le gars qui a une genre de couple Longueuil. Ben, c'est pas de couple Longueuil, c'est une couple d'années 80. Là. Puis lui, dans le fond, c'est un tripeux de radio amateur. Dans le fond, là, pas CB, mais quasiment. Là. Puis, à un moment donné, il reçoit une genre de transmission. En tout cas, il reçoit un genre de fréquence. Parce que là, il entend une voix qui dit « Qui êtes-vous? Que faites-vous? » Puis il y a une genre de voix paniquée, là, tu sais, là, puis « Non! Ah! » Puis là, ça crie, genre, vraiment un beau cri. Tu sais, un gars qui crie comme une fille, là. Puis là, après ça, t'as un cri de fille qui embarque par-dessus, tu sais.
Puis là, ça finit là. T'sais. Fait que là, ils sont comme, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Perplexes sont-ils? Fait que là, sa copine a dit, ben là, elle dit, peux-tu essayer de trouver si ça vient de où, ça? Elle dit, ouais, peut-être, tu sais, si je me vais faire ici, puis faire ça, puis il sort un paquet de jargon technique. Fait que là, elle dit, ben, tu peux-tu le faire? Fait que là, elle dit, ben oui. Fait que elle dit, va faire du café, mais on va essayer de faire ça. Fait que là, des heures s'en suivent pour eux et des minutes pour nous. Fait que là, ils finissent par trouver, dans le fond, ça vient de où. Fait qu'ils embarquent dans le genre de pick-up de marde. Puis ils décollent. Dans le fond, eux, ils vivent à Boston. Fait qu'ils décollent, puis ils se ramassent dans un milieu rural, là, une petite campagne, là, où est-ce que la maison, supposément, en tout cas, la maison de cauchemar, où est-ce que la transmission vient. Puis ils se retrouvent dans un petit bled. Et en s'en allant vers le bled, ils ramassent un beau tweet sur le pouce, qui est vraiment beau. Un genre de. Un black, là, avec un beau manteau rouge, avec une boucle d'oreille dans l'oreille. Et une casquette, puis il est lettre, puis il est con, puis. Il lui tape ses nerfs avant même qu'il l'embarque. Là. Et il embarque pareil. Puis là, il y a eu toutes sortes de bullshit. Là. Il m'a donné un monde s'il croit au fantôme. Il disait, ah ben non, tu sais. Puis là, il y a comme un genre de bras, squelette, joke. Puis là, il rentre ça dans la fenêtre, puis là, il gosse la fille. Là, puis là, la crie, elle dit, ah, t'es dans mes cons. Puis, il est juste calme, tu sais. Fait que là, ils finissent par le dropper à un moment donné parce qu'il était pète, tu sais. Fait que là, mais il a réussi à voler 5$ à la fille, genre, par rapport, tu sais, c'est comme. Un beau crasseur, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que ça, ils continuent leur chemin, puis là, ils se ramassent à la maison. Où est-ce que le signal vient? Et la maison, ça se trouve être la même piole que dans House by the Cemetery. La même maison. Identique. Dans House by the Cemetery, elle filme souvent comme de face un peu en angle. On voit le cimetière. Puis là, dans la maison du cauchemar, dans le fond, il la filme plus comme sur le côté de l'allée, dans le fond, de l'entrée, là, de la cour. On peut dire. Fait que là, ils se pointent là, ils font comme ah, tu sais. Là, on voit qu'elle est un petit peu plus dilapidée, dans le fond, parce que la maison, House by the Cemetery, c'est 1981. Puis la maison du cauchemar, ben, c'est 1987, fait que ça fait une couple d'années. Mais on la reconnaît, la maison, d'extérieur et de l'intérieur. C'est la même piole. Fait que là, ils rentrent dans cette piole-là. Puis là, ils font comme ah, il n'y a pas personne, tu sais, ni rien. Fait que là, ils finissent par monter en haut, puis au grenier, ils découvrent une installation de radio amateur. Fait que là, ils font comme, bon, ben, c'est ça que ça devient, c'est sûr, tu sais. Puis là, sur les entrefaits, il y a un bang qui arrive, avec, il est arrivé quelque chose, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Fait que là, il dit, ben, on se demandait qu'est-ce qui se passait ici, tu sais, c'était quoi cette installation-là, puis t'as dit, t'as moi là, puis là, je crois qu'il a peur qu'il vole, tu sais. Fait que là, ils disent, ben là, on a capté une transmission pis tout, pis on a fait un enregistrement vraiment louche, t'sais. Fait que là, ils font jouer l'enregistrement, il y a un beau tape cassette, des cassettes. Fait que là, ils mettent ça là-dedans, ils font jouer ça. Fait que là, ils reconnaissent que c'est la voix du gars, t'sais. C'est ta voix à toi, là. Ils disent, ouais, c'est vrai, mais j'ai jamais dit ça, pis je me répète pas de ça, pis là, ils disent, ben, arrête donc, là. T'sais, l'autre, il est comme, faut douteux, là, c'est une niaise. Non, là. Fait que là, pis là, ils se rendent compte que lui, dans le fond, il fait partie d'une petite clique qui sont en vacances. Et qui ont décidé de squatter dans cette maison-là, genre random. Ils passaient dans la rue, ils disaient, hey, c'est une belle pièce, ça a l'air propre. Tu sais, comme Eddie Murphy dans le flic de Beverly Hills. Ça avait l'air propre, j'ai décidé d'entrer. Fait qu'ils rentrent dans la maison. Fait que c'est ça. T'sais, ils ont décidé de camper là. Ils ont comme un genre de camping-car, puis ils ont une moto. Puis il y a genre le gars, il y a un autre dude, un beau dude des années 80 roux, avec sa sœur, fatigante, qui a comme 12-13 ans, qui fait juste taper ses nerfs à tout le monde. Puis sa blonde. Fait que. Fait que là, ils se retrouvent une petite clique. Fait que là, ils font comme, on va essayer de découvrir qu'il se passe-t-il ici. Puis c'est quoi qui est arrivé avec cet enregistrement-là. Puis pourquoi. Puis c'est ça. Fait que là, le film commence là. Et mais quel beau film. C'est une belle vue. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis je m'en rappelais beaucoup. Ben, je l'ai vu souvent. Mais c'est toujours un plaisir d'écouter ce film. Puis là, d'ailleurs, j'ai pris des petites notes. Mais je vais essayer de pas trop faire de spoiler. Un acteur que j'aime beaucoup aussi qui joue dans le film, c'est. Ben, les acteurs sont pas vraiment connus. Il y a une des filles que j'ai vues dernièrement qui jouait dans Démon 5. Devil's Veil. Je sais pas si c'est Démon 5 ou 6, là. C'est ça, ça va pas bien. Il me semble que c'est Démon 5, ouais, c'est ça, c'est Démon 5, Devil's Veil. Elle faisait une des filles là, qui allait faire du ski. Là. Mais le seul acteur qui est comme vraiment connu dans le film, c'est Donald O'Brien. Donald O'Brien qui jouait beaucoup, qui a fait beaucoup de films italiens, séries italiennes. Son film peut-être le plus connu, c'est Zombie Holocaust. Dans le fond, c'est lui qui fait le docteur sur l'île
qui opère à tout va, puis qui fait toutes sortes de cossins. Dans le fond, c'est Dr. Butcher, MD, pour ceux qui connaissent la version américaine Aquarius. Puis, dans Brian, on l'a vu, il faisait un nazi, je ne me rappelle plus dans quel film. Il jouait dans Managia, avec l'Italien blond là, qui faisait des films de flics, là, je me rappelle pas de son nom, là, il faisait un genre de, justement, un genre de cowboy. Là. Très bon acteur, il est tout le temps le fun, on l'a vu dans plein d'affaires, là, que je me rappelle plus. Là. Mais là-dedans, il fait un genre de redneck, schizophrène, il est vraiment louche. Moi, je le trouve le fun de son interprétation, tu sais, il marche bizarre, on dirait qu'il a manqué d'air au cerveau, là, c'est pas clair que ce qu'il y a, là, mais tu vois qu'il est pas tout là. Puis là, d'ailleurs, quand le couple arrive, le gars et la fille qui viennent de Boston, quelqu'un arrive en pick-up, lui il est comme là, il est comme, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous venez fouiner là? T'sais? Fait que là, il dit non, on va juste checker là. Fait que là, il finit par crisser son camp, parce qu'il les a fait comme peur. T'sais. Puis là, j'adore la fille, elle est comme assez full, vraiment offusquée par ce qu'il a dit. T'sais. Puis là, il est comme, mais comment qu'il peut dire qu'on vient fouiner? On vient juste d'arriver, tu sais. J'étais comme, c'est ça, mais tu fouines, fait que t'as dit. Fait que c'est ça. Puis d'ailleurs, la fille, c'est Laura Wendell, son nom. Moi, je l'ai vue dans Tenebrae. Tenebrae, il y a une scène qu'il y a une jeune qui se fait courir vers un chien. Puis elle se fait attaquer, d'ailleurs, ça monte dans une. Pas trop où, là, mais c'est elle. C'est la même fille. Fait que, c'est ça. Et un autre bel acteur. Un autre bel acteur. Moi, je l'aime. Moi, je l'aime, il est beau. Il est vraiment beau. Il est beau. Puis son nom est encore plus beau que lui. Il s'appelle. Tenez-vous bien, Bob Champagne. Oui, oui, mesdames, messieurs, il s'appelle Bob Champagne. De son nom Robert, B-O-B-E. J'en reviens pas encore qu'il s'appelle Bob Champagne. Je sais pas, c'est un pseudonyme, c'est un des pires pseudonymes ever. Là. Quoi comme Free Humbert, c'est pas trop hot. Là. Mais non, Bob Champagne, là, ça c'est. C'est un Américain, là. C'est un Massachusettsien, whatever. Là. Puis là-dedans, dans le fond, il fait le croque-mort. C'est ça. Il y a une petite discussion avec Donald Bryan qui finit mal. Mais il est vrai. Tu sais, il est lit, là. Il est vraiment lit. Puis il joue d'ailleurs dans le prochain film qu'on va discuter tantôt. Fait qu'on va revenir sur Bob Champagne tantôt. Il s'appelle Bob Champagne. Fait que c'est ça. C'est winner. À part là de ça. Y a-t-il des affaires que je peux dire sans trop faire de spoiler? Il y a des bons petits bouts de creepy. La violence, c'est ça. On en a parlé tantôt. La violence est quand même assez intense. C'est ça. Il y a une couple de bons effets. Les effets spéciaux sont quand même le fun, moi, je trouve. Il y a une passe avec une fan à maner. Il y a une pale de fan qui décolle puis qui tranche la gorge à quelqu'un. Il y a un chien mané qui apparaît puis qui disparaît. C'est vraiment un chien fantôme, là. Il y a comme un genre de squelette, un genre de. C'est pas une faucheuse, mais c'est comme un genre de. Fantôme à tête de mort, là, qui est comme couvert dans un genre de. Un genre de capuche puis soutane noire. Puis comme des verres dans la face qui apparaît. Et évidemment, ben, il y a la petite fille avec le clown qui apparaît assez régulièrement. Puis à chaque fois qu'ils sont dans le bout, il y a comme une petite toune qui joue. C'est genre. Willa! Ouais, je suis pas bon pour l'imiter, là, mon champion là, il m'a rien à moi. Mais c'est peut-être ta petite toune là. T'sais, mettons, quelqu'un va décrocher le téléphone, cette toune là va jouer. T'sais. Puis là, régulièrement, la petite fille, elle apparaît avec son clown. Puis là, à chaque fois qu'il apparaît, ces autres, ben, il y a de la merde qui se passe. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un beau film. Moi, c'est une belle vue. Moi, j'aime bien ça. À part là, tu sais, je veux pas trop dévoiler d'affaires. Le clown, il est tellement beau. Mani, il a des dents, Mani, il a pas de dents. Mani, il a l'air evil, Mani, il a pas l'air evil. Et puis, il est lit, là, on dirait que. C'est pas mettre, là. On dirait comme genre deux patates qui ont collé là, là. Puis, qui ont comme. En tout cas, c'est vraiment lit, là. Mais c'est ça. Mais c'est trop pareil. Fait que. C'est pas mal ça. Bon petit film. Moi, j'adore ce film-là. J'ai rien à dire de négatif là-dessus. Il y a des bouts de tata, mais c'est pas grave. Mais c'est un bon petit film qui s'écoute bien. Puis, c'est divertissant. La musique est pas débile. Il y a beaucoup de. C'est un genre de petit beatbox cheap là, avec. T'sais, les petites passes de clavier là, cheapettes, mais. C'est un des rares aspects négatifs. Dans Brian, il vole la vedette quasiment tout le long. Là, fait que j'ai bien aimé Ghost House. Un bon petit film. Ça d'ailleurs, c'est ça. C'est un programme double Scream Factory, qui est une très bonne compagnie. Qui ont mis deux films de la casa dans le fond. Et le deuxième film qu'on va discuter, genre là, c'est Witchery. Witchery, qui est un film avec
David Hasselhoff et Linda Blair. David Hasselhoff, qui est le Hass, et puis qui jouait dans Baywatch, évidemment, et Knight Rider. Tout le monde sait. Non, c'est pas Knight Rider, K2000. C'est Knight Rider, ouais. Puis, qui a fait plein de belles affaires, dont Kung Fury. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le. Ben, le film Kung Fury, évidemment, et la vidéo qu'il a faite pour la toune de Kung Fury, que c'est lui qui chante. Ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment badass. Fait que c'est ça. Fait que. La case de 4, Witchery, alias Witchcraft, alias Evil Encounters, toutes sortes de sous-titres, de titres par rapport, variantes. D'ailleurs, je bois une don de Dieu. De. Puis des bruits, et quoi d'autre, là. Fait que c'est ça. Fait en 1988, dans le fond, l'année d'après, qui a aucun rapport avec la Casa 3, ni Evil Dead. Et c'est ça, les Italiens, eux autres, ils se cassent pas la tête, là. Mais ça aussi, c'est un bon petit film. Puis d'ailleurs, moi, je me semble que je l'avais vu, ce film-là, il y a une vingtaine d'années, mettons. Puis, il me semble dans mon souvenir, c'était de la crise de merde. Fait que j'ai l'impression que mes goûts ont peut-être changé en vieillissant. Après avoir vu bien plus de films, je peux comme plus juger qu'est-ce qui est de la merde et qu'est-ce qui n'est pas, là. Fait que c'est peut-être ça qui est arrivé, parce que j'aimais ça. J'ai trouvé ça le fun. C'est sûr que. Ça entend que c'est pas à la hauteur, mettons, de Massacre à la tronçonneuse ou de. Tu sais, quelque chose de vraiment classique, là, mais ça reste une bonne série B italienne, tu sais. Donc, l'histoire en gros de Witchery. David Hasselhoff et sa copine, ben, sa copine, en tout cas, c'est pas clair si c'est sa copine, en tout cas, il était qu'une fille. Qui s'appelle, l'actrice s'appelle Laura. Laura. Quoi son nom, c'est un nom, c'est Cumming son nom, je pense. C'est Lindsay Cumming ou Lisa Cumming. Tabarnak, c'est quoi son nom? En tout cas, elle est vraiment. Moi, je pense que je l'avais jamais vu. Son visage me disait quelque chose. Mais. Il me semble que c'est Laurie Cumming ou Lindsay Cumming. Hey, tabarnak. Leslie Cumming, bon, merci, cerveau et écriture. Fait que, je m'en rappelle sur quoi son nom dans le film, mais David Hasselhoff et Leslie Cumming, eux autres, dans le fond, ils font un. Je sais pas si c'est un couple, là, c'est pas clair. Eux, ils s'en vont sur une petite île aux États-Unis. Où est-ce qu'il y a une maison, avec un. C'est une grosse maison, là. Ça pourrait quasiment être un hôtel, là, avec plusieurs, comme deux parties, là, puis. Mais il y a juste ça sur l'île. Puis, cette île-là, dans le fond, il y a comme des sorcières qui ont passé au feu, ben, qui ont passé au feu. Ils ont fait passer au feu, dans l'ancien temps. Puis Leslie Cumming, elle, dans le fond, elle écrit un livre sur ça, tu sais. Fait qu'ils s'en vont là, sur ce style-là, pour comme s'imprégner de l'atmosphère. Hein. Puis elle a comme un livre qu'elle lit là-dessus, qui l'inspire pour écrire son livre. Puis David Hasselhoff, lui, c'est un photographe, fait que, entre guillemets, parce que c'est ça. Puis lui, dans le fond, il prend des photos pour le futur livre de sa chum blonde. Bon, je sais pas c'est quoi, parce que. Souvent, mettons, le hassle, il a hassle pour. D'après moi, coucher avec. En tout cas, il t'a mené, je me rappelle, il dit c'est pas normal d'être vierge à ton âge. Là. Puis là, tu t'es comme j'aime-moi pas, là. Fait que, d'après moi, il veut coucher avec, mais là, elle est vierge, puis elle veut le rester. Fait que ça marche pas son affaire. Mais c'est pas grave, c'est drôle. Puis, par là-dessus, il y a Linda Blair, puis sa gang, là. Linda Blair, là-dedans, elle est enceinte. Puis être avec une clique, dont Bob Champagne, notre merveilleux Bob Champagne, qui, lui et sa femme, ont décidé d'essayer d'acheter cette maison-là, complexe-là, whatever. Ça pourrait carrément être un hôtel. Là. Fait qu'ils s'en vont pour visiter cette place-là avec un agent immobilier, puis sa blonde, dans le fond, qui, elle, se trouve être la femme de David Hasselhoff dans la vraie vie, qui est Catherine Eklund. Une super belle blonde, d'après moi, peut-être rousse avec des petites freckles. Vraiment jolie. Puis, c'est ça. Fait que là, ils sont comme. Il y a Bob Champagne, sa femme, il y a les deux agents immobiliers, il y a Linda Blair, puis il y a un petit gars. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Pas mal ça. Fait qu'ils s'en vont, eux autres, sur l'île pour essayer de. Pour voir ce que ça dit, là, dans le fond, là. Puis, en sachant pas que David Hasselhoff puis Leslie Cumming sont là, puis eux autres non plus, ils savent pas, ils voient y arriver, ils font comme. Ah, parce que les autres n'ont pas le droit d'être là, tu sais. C'est comme. Ils sont là illégalement, tu sais. Fait que là, c'est ça qui est ça. Puis dans la maison, dans le fond, il y a quand même une sorcière qui vit dans cette maison-là, mais on dirait que c'est comme si elle vivait dans sa propre dimension. Parce que, tu sais, mais si tu te fouilles dans la maison, tu la trouveras pas. Mais ils sont là, tu sais. Fait que c'est comme s'ils vivaient dans un espace
interdimensionnels, en tout cas, whatever, là, je sais pas comment qualifier ça, mais sont là, dans le fond. Mais puis ils voient ce qui se passe dans l'île, mais s'ils veulent pas qu'on les voie, on les voit pas, t'sais. Fait que là, Bob Champagne et sa clique arrivent. D'ailleurs, sa femme est absolument insupportable. Elle arrête jamais de chialer. Elle fait que chialer tout le temps. J'avais juste hâte qu'elle meure. Elle était vraiment, vraiment agaçante, solide à part de ça. Fait que, c'est ça. Fait que là, ils se mettent à inspecter la maison. Fait que là, David Hasselhoff et Dazilda, eux autres, sont comme cachés en attendant, t'sais. Fait que là, la vieille, elle arrête pas de chialer. Elle trouve bien que de la merde à dire. Puis là, maintenant, t'as Linda Blair qui s'en va aux toilettes. Puis là, elle essaie de prendre des pilules pour je sais plus trop quoi, parce qu'elle est enceinte. Puis là, elle échappe ses pilules dans une vieille baignoire qui est comme remplie d'eau sale, t'sais. Puis là, elle vient pour les ramasser, puis là, wow! Il y a comme un genre de vortex visuel qui apparaît par-dessus elle, parce que ça a été rajouté par-dessus son plan à elle. Puis c'est d'ailleurs vraiment beau. C'est un des effets cheap du film, moi, je trouvais, là. C'est comme un genre de vortex rouge-lettre qui ont comme juste imposé au plan qu'on voit de Linda Blair. Puis d'ailleurs, ça revient une couple de fois. C'est comme le passage vers la dimension des sorcières. De la sorcière. Fait que là, dans le fond, elle se ramasse à se trouver, ni plus ni moins, dans leur dimension. Parce que la sorcière, qui est une actrice qui s'appelle Hildegard Neff, qui probablement était comme une actrice populaire, mettons, peut-être dans les années 40-50, parce que là, elle est rendue vieille, puis d'ailleurs, elle fait peur. Ben, j'ai vu des photos sur IMDb, d'après moi, c'est ça, là. Dans l'ancien temps, elle fait sa carrière pis tout, là. Master fait peur, parce qu'on dirait que... Soit qu'elle s'est trop fait faire de chirurgie plastique, ou elle a comme brûlé de la face, là, mais elle fait peur. Puis elle est là-dedans, dans le fond, dans cette dimension-là. Puis là, mon boss, c'est comme de torturer du monde avec elle. Elle a comme deux genres de sous-fif, là. Elle a comme des données, là, avec elle, là, pis tout, là. Fait que là, ben, Linda Blair, elle se pète un bad trip. Fait que c'est ça. Puis là, en tout cas, sa gang la retrouve comme passée hors à terre. Puis bon, nanana. Fait que c'est ça qui est ça. Puis là, ben, s'en suit un paquet de scènes puis de morts parce que là, l'ascenseur, elle se met comme à décimer tout le monde un après l'autre. Et d'ailleurs, la vieille colisse passe au bat. Ça, c'est merveilleux. D'ailleurs, c'est une passe vraiment excellente parce qu'elle se fait comme coup de la gueule. Mais bien solide, là. Il y a quelqu'un qui coule la gueule. Avec du gros fil noir, là. Puis une grosse aiguille. Puis ça, j'avais trouvé ça bien fait. J'ai trouvé que c'était un effet spécial qui était un effet spécial qui était hot. Tu sais, j'ai trouvé ça, c'était pas cheap. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu un orgasme quand elle s'est fait battre, parce qu'elle était vraiment, vraiment agaçante. Et Bob Champagne, lui aussi, pète au fait. D'une manière quand même assez popée. Puis, à ma connaissance, c'est pas les deux seuls films de Bob Champagne. Là. Je pense pas qu'il ait fait grand chose d'autre après ça, là, mais tout, whatever. Il était peut-être acteur de théâtre ou on sait pas, là, whatever. À part de ça, y a-t-il d'autres choses que je peux dire? Ça? Ah mon dieu, le petit gars, le petit gars dans le fond qui joue dans le film qui est comme avec eux autres. C'est un acteur abominable. Je suppose qu'ils l'ont pêché, là, mais il est vraiment, 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 vraiment mauvais acteur. C'est. À chaque fois qu'il y a une passe avec lui, là, c'est comme, oh boy, ok. Tu vois que lui, là. Après moi, il venait avec quelqu'un parce que non, il était pas. Après moi, pas pêcheur, ce petit gars-là. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de. Moi, en tout cas, un moment donné, j'écoutais le film, ça me faisait penser à l'histoire Dreams in the Witch House de H.P. Lovecraft. Comme la sorcière, dans le fond, qui amène du monde dans une dimension alternative, puis qui est torture, puis qui veut faire des affaires bizarres. Puis... Cool. J'ai eu un relent de ça. Je me dis, oh, je l'ai pris en note, ça m'a comme frappé un peu. Les effets spéciaux sont le fun. Moi, j'ai trouvé bien fait. C'est Maurizio Trani qui les a fait. Maurizio Trani qui a travaillé sur Zombie 2, ou Zombie Flesh Eaters, dans le fond, de Fusi. Il a travaillé sur d'autres affaires, il me semble. Il a travaillé sur House by the Cemetery, en tout cas. C'est un collaborateur de Gianetto da Rossi, dans le fond. Il y a une passe qui est assez intense dans le film, c'est la jolie demoiselle, dans le fond, Leslie Cumming, qui a déjà dit qu'elle était vierge, puis qui est vraiment belle. Sérieux, là, maintenant, là, David Hasselhoff se met à la poser. Il dit, ah, tu sais, il fait comme un peu le mannequin, il fait faire le mannequin, tu sais. Mais elle est vraiment jolie. Sérieux, là, elle a un visage. Moi, j'étais comme, waouh, crise de belle fille, tu sais. Puis, à un moment donné, elle est couchée. Puis, je sais pas trop comment ça se passe, là, mais en tout cas, elle se trouve à être transportée dans la dimension de la sorcière.
pendant qu'elle dort. Puis là, elle se fait violer. Mais par un genre de donné, hein, j'imagine. Il y a comme toute la bouche en charpie. Comme s'il y avait eu les lèvres collées ensemble, puis qu'ils avaient ouvert de force. Fait que toutes ses lèvres sont toutes décrissées, tu sais. Puis il y a comme tous les cheveux lichés, mais il est en bedaine. Puis là, il se met à la prendre de force dans le fond, là, tu sais. Mais c'est assez rough, là, tu sais, là. Il niaise pas avec ça, puis tout, là. Puis là, d'après moi, dans son contrat, elle, c'était comme spécifique qu'il fallait qu'elle monte ses seins, parce que là, elle monte ses seins, tu sais. Là, parce que à la mesure qu'elle viole, la manée, ses seins sont exposés, tu sais. Puis d'ailleurs, quand même belle peur. Mais c'était comme perturbant, tu sais, c'était spécial, parce que, tu sais, pauvre fille, tu sais, tu vois qu'elle était pas intéressée par le sexe, mais là, elle s'est comme, en tout cas, faite de viager de force, là. Puis d'ailleurs, juste après, elle la regarde, puis elle a du sang entre les deux jambes, fait que c'est ça, c'est réglé, tu sais, mais... C'était comme le moment, tu sais, c'était comme le bout dans le film où il fallait qu'on monte des boules, tu sais, fait que ça a tombé sur elle, tu sais. Part de ça, c'est pas mal ça. Moi, en tout cas, j'aimais ça, Witchery, j'ai trouvé ça le fun. C'est vraiment le seul film d'horreur de David Hasselhoff, là, à ma connaissance, je pense pas qu'il ait fait d'autres choses dans ce genre-là, là. Il a fait des affaires, mettons, on peut appeler ça fantastique, Knight Rider, puis bon, il est parti par Kung Fury, et tout. Mais tu sais, il a surtout fait des comédies, des affaires dans le même, là. Fait que c'est pas mal son seul film d'horreur, là. Fait que, bien fait, divertissant, la musique est bonne. Je me rappelle plus c'est qui a fait la musique. Mais j'ai aimé la musique dans ce film-là, j'ai trouvé qu'elle était bonne. Les effets spéciaux sont bons, les acteurs sont bons, à part le petit gars. Et c'est ce qui conclut cette merveilleuse vue qui est Witchery. Et ce merveilleux programme double. Et puis là, ben dans le fond, on tombe avec le cinquième film de la casa, qui est Beyond Darkness. Beyond Darkness, qui vient en programme double avec Metamorphosis. Metamorphosis, qui est un film fait par notre ami George Eastman. Pour ceux qui connaissent George Eastman, that's it. Pour ceux qui ne connaissent pas, m'en sac. Pas vrai. George Eastman, c'est le cannibale dans Anthropophagus de Joe D'Amato. Ou Anthropophagus, ou The Grim Reaper, version américaine. L'anthropophage en français de France. Puis nous autres au Québec, c'est Anthropophagus. Je fais-tu une parenthèse là-dessus? Ça vaut-tu la peine? Ça me fait chier, j'ai pas ma VHS. Je pense que je vais faire ça, mais que j'aime ma VHS, parce que ça vaut la peine. C'est une belle parenthèse, puis c'est en plus purement québécois comme parenthèse. Fait que je vais regarder ça pour une fois. Yep, je vais regarder ça pour une autre fois, ça vaut la peine. Fait qu'on parle, on revient sur Metamorphosis, dans le fond, qui est un petit film fait par George Eastman. C'est lui qui l'a réalisé, je pense qu'il l'a écrit. De son vrai nom, Luigi Montefiore. Fait que ça a l'air le fun, mais je l'ai pas écouté encore. C'est comme un genre de version de la mouche italienne. Mais pour nos besoins, on parle de Beyond Darkness. Beyond Darkness, la Casa 5, qui est un beau, c'est une belle vue. C'est dans le fond réalisé par notre ami Claudio Fragasso. Claudio Fragasso qui a fait des beaux films, dont Troll 2, que ça on va sûrement en parler maintenant parce que ça vaut la peine. C'est une belle vue ça, Troll 2. Ça là, si vous n'avez pas vu Troll 2, arrêtez de m'écouter, allez écouter Troll 2, ça vaut la peine. Puis il a fait ça sous son pseudonyme de Clyde Anderson, qui ça aussi c'est très beau. Et d'ailleurs, dans le film, il y a le petit gars de Troll 2. Le petit roulette avec des taches de rousseur. Là. Michael Stephenson, je sais pas trop quoi. Là. Je pense que c'est qui fait la sorcière aussi à jouer dans Troll 2, je suis pas sûr. Mais c'est ça. Fait que lui, dans le fond, puis sa famille, son père qui est un prêtre, sa mère, puis sa petite sœur, s'en vont rester dans une maison qui est un peu comme dans Witchery. Il y a comme une sorcière puis sa clique qui a comme investi la maison puis qui vivent justement dans une genre de dimension. Eux autres, c'est plus clair, là, par exemple, parce qu'il y a comme un cadre de porte à mener dans la maison où c'est comme bloqué, ni plus ni moins, avec de la brique. Quoi. Puis il y a un petit trou, puis il y a comme de la lumière qui flash. Fait que les autres viennent de là. C'est pas clair, tu sais. Puis la sorcière, d'ailleurs, au début du film, elle se fait exécuter parce qu'elle a tué des enfants, puis elle a fait toutes sortes d'affaires. Fait qu'elle se fait exécuter, la sorcière électrique. Et notre ami David Brandon, qu'on a déjà parlé, qui, moi, habituellement, me tape ses nerfs bien raide, qui joue dans Stage Fright, puis qui. On s'en calisse. Mais là-dedans, étonnamment, il m'a pas tapé ses nerfs. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Il fait un prêtre aussi là-dedans, puis lui, il va comme recueillir son dernier témoignage à la sorcière. Puis tout est pastrouillé de voir qu'est-ce qu'elle y raconte, parce qu'elle a sans crise, elle est comique, elle trouve ça drôle. Fait que, c'est ça. Fait que là, Monsieur petit gars Trot 2 avec sa famille, ils s'en vont rester dans la maison. Et la maison, d'ailleurs, c'est la même maison que de Beyond. Même pio. J'en suis sûr à 99,9%.
J'écoutais le film, j'étais comme, ah, maintenant on voit un plan de la maison. Un peu filmé même, pareil comme le début de l'intro de Beyond, quand on voit la maison là, en 1927. Mais sauf qu'elle est comme moins décrépite, ils ont comme redonné un coup de peinture, puis un coup de marteau. Là. Mais c'est la même maison. Puis même de l'intérieur, au début je pensais que c'était peut-être juste de l'extérieur. Mais non, c'est de l'intérieur aussi. C'est la même piole. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Les Italiens, ils aiment ça recycler les maisons. Fait que c'est ça. Fait qu'ils s'en vont rester dans cette maison-là. Puis là, automatiquement, en arrivant, il se met à se passer des affaires. Mais là, la radio se met à marcher tout seul, puis elle lui explose dans la face. Fait que là, ils sont comme, OK, tu sais. Puis là, ils se rendent compte que c'est ça. Il y a comme une entité qui vit dans cette maison-là. Puis c'est la sorcière qu'on voit d'ailleurs sur la pochette. Là. Si vous voyez vous-même, comme ça. Elle est vraiment fréquente, la sorcière. Elle a comme la tête rasée, là, puis elle a les yeux jaunes. Là. Elle est dans tabarnak. Sérieux, là, maintenant, elle pitch quelqu'un en bas des marches, là, puis elle apparaît genre, dans sa face. Là, c'est comme tabarnak. Fait que là, dans le fond, il décide d'essayer de lutter contre elle. Ça gosse, ça chie. Un moment donné, elle kidnappe le petit gars de Troll 2. Bon, c'est pas bien grave, là, mais en tout cas, c'est quand même leur fils. Il essaye de... Puis d'ailleurs, ce bout-là, ça m'a un petit peu fait penser à Poltergeist, quand Caroline s'est fait kidnapper dans la dimension des fantômes. C'est un peu le même genre. T'sais, tu vois que Fragasso, c'est ça, t'sais, il porte ses influences sur ses manches, là, fait que moi, je reconnaissais ça un peu, là. Puis sûrement vous autres aussi. Fait que là, il décide d'aller essayer de chercher le petit gars dans cette dimension-là. Fait qu'il rentre là-dedans, bon, il ramène le petit gars. Sauf que là, maintenant, il se rend compte que le petit gars, ils n'ont pas vraiment ramené le vrai petit gars, ils ont ramené quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, il y a comme un autre bout de Poltergeist à un moment où les gens essayent de sacrer le camp, puis là, ils essayent de faire partir le char marche pas, puis là, tout le monde dit « Ah, il part le char! » Ça, c'était très Poltergeist vers la fin. Là. Fait que, c'est ça. Fait que là, maintenant, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas ramené le petit gars. Fait que là, David Brandon, puis le prêtre, décide d'aller retourner là, puis essayer de vraiment trouver le petit gars. Et ça donne lieu à une belle scène d'exorcisme. Parce que là, il trouve, mais le petit gars, il est comme possédé ou whatever. Il est comme immobilisé par la sorcière. Fait que là, ils se mettent à y pitcher du « By the power of Christ compels you », mais là, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent... c'est quoi qu'ils disent maintenant? Ah bon, non. « You are banished in the name of Christ ». Puis, ils doivent le dire 40 fois. Sérieux, à un moment donné, là, j'étais comme « T'as la femme, tu t'as là ». Ça commence à être long, là. Il disait souvent. Fait que, c'est ça. Et d'ailleurs, parlant de la maison de Beyond, à un moment donné, ça m'a fait rire, parce que David Brandon dit au couple, il dit « This house is cursed! It's a gateway to hell! » Ben oui, c'est la maison de Beyond, là, c'est David Brandon qui dit lui-même. Fait que that's all. Fait que, c'est ça. Fait que là, il exorcise le petit gars, puis là, bon. Finissent par essayer de le sortir de là, puis je vous dis pas si ça finit bien ou pas, là, vous verrez bien. Les effets spéciaux sont quand même le fun, j'ai trouvé ça bien fait. C'est à peu près le même niveau de qualité que Witchery puis Ghost House. Les effets spéciaux italiens sont toujours divertissants, à la limite, là, même si des fois ça peut être cheap, mais dans ceux-là, ces trois films-là, les effets spéciaux, j'ai trouvé quand même bien fait. Le gars qui a fait les effets spéciaux s'appelle James Ryder. Je sais pas si c'est un pseudonyme, là, on dirait genre un nom d'acteur porno cheap, là, mais je regarde. Je fais peut-être du déshonneur, là, c'est peut-être un nom très... il est peut-être bien fait à son nom, là, mais en tout cas, moi je trouvais que ça sonnait comme pseudonyme cheap. Puis, ben, j'ai pas besoin de dire que la scène de l'exorcisme, hein, on sait d'où ça vient, là, ça c'est that's all. Il y a un bout que j'ai trouvé vraiment pissant dans le film. Pis ça, c'est typiquement italien, exploitationneux. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Un moment donné, juste après que Brandon ait été voir, recueillir le témoignage de la sorcière, lui, il tombe dans la boisson, dans le fond, là. Je sais pas trop, là. Ça l'affecte, ces affaires-là, là. Puis, il se met à boire, tu sais, puis c'est ça. Puis, il est sous, tu sais. Puis, là, un moment donné, Fragasso l'a filmé en train de déambuler dans une rue aux États-Unis. Sauf que. C'est littéralement ça. Il a dit, là, va-t'en du point A au point B, là. Puis, fais ton jeu d'acteur. Là. Mais là, tu sais, puis broyer, genre, puis fait comme si t'étais sous. Puis, elle gosse le monde. Tu sais, pogne le monde dans la rue, puis dis, là, hey, tu t'es rendu compte que là, tu vas mourir. Puis, tu sais, là, genre, fais ton genre de prophète là, de la fin des temps, là, tu sais, là.
Fait que c'est exactement ça qu'il fait. Mais c'est parce que c'est pas des acteurs dans la rue, c'est du monde pour vrai qui passe dans la vraie rue. Puis ça paraît, là, tu vois qu'ils sont comme, qu'est-ce que c'est ça, gars? Puis il empoignait un mané, là, puis d'après moi, il aurait peut-être pu se faire crisser une shot solide parce que le gars, il est en tabarnak, là. Il te la repousse, puis il le regarde, puis il est comme, tu sais, je me dis, si, il va le shotter, c'est sûr. Puis là, juste après ça, il y a un dude qui s'en vient, puis il est crampé, il est comme, tu sais, qui c'était pelé, tu sais. Fait que ça, j'ai. Scène volée, typiquement, là, exploitation à côté, là. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Là. Fait que ça, c'est ça. C'était du frère Gasso tout craché. Fait que, c'est pas mal ça. Fait que, Beyond Darkness, vraiment bon film. Ça, j'avais jamais vu ça. Witchery, je pensais que je l'avais vu. D'après moi, je l'avais jamais vu. Ou je l'avais déjà vu, puis mes goûts ont changé. Ghost House, je l'avais vu souvent. Mais trois bons films. Donc, La Casa. Ça prend pas Evil Dead, mais c'est quand même une bonne série. Mais j'ai découvert qu'il y avait deux autres films de La Casa. Ça, j'ai trouvé ça beau en tabarnak. J'ai été checker sur Internet. Je dis, bon, on va voir, ça va s'arranger pour être sûr de ce qu'on dit, c'est pas n'importe quoi. Puis j'ai découvert qu'il y avait un Casa 6, Casa 7. Dans le fond, Casa 6, c'est House 2. 1987, produit par Sean S. Cunningham, qui est le House qu'on personne aime. Parce que House 1, c'est bon, mais House 2, c'était pas débile. Fait que House 2, c'est Casa 6, puis Casa 7, c'est House 3. Fait que The Horror Show, avec Lance Henriksen puis Brian James. Fait que c'est une des merveilleuses choses des séries italiennes. T'as des films qui ont été faits avant d'autres films, mais qui sont après dans l'ordre de la série, parce que Beyond Darkness a été fait en 1990, si je me trompe pas. Ouais. Puis qui est la Casa 5, mais là, t'as House 2, qui est la Casa 6, qui a été faite en 87. La même année que la Casa 3, tu sais. Fait que c'est comme. Fait que c'est vraiment des séries qui ont aucun sens, là. Tu sais, si on commence à checker ça, là, ça a du sens juste pour les exploiteurs, tu sais, dans le fond, là. Fait que. Mais c'est pas grave, moi, je trouve ça le fun. Mais techniquement, ça aurait dû être House 1 puis 2, la Casa 1 puis 2. Parce que moi, c'est ça que je pensais au début. Je me disais, la casa, house. La casa en italien, c'est house. La maison, tu sais, dans le fond. Fait que là, j'étais comme, mais non, c'est Evil Dead 1 et 2. Fait que, en tout cas, c'est pas grave. On s'en fout, c'est drôle, c'est le fun. Fait que si vous avez pas vu ça, ben, je vous les conseille. Ghost House, Witchery, puis Beyond Darkness. Des trois bons petits films. Et ce qui conclut, dans le fond, la série de la casa. En tout cas, à moins qu'il y en ait d'autres, là, mais je pense pas. Là. D'après moi, c'est pas mal la fin de la série de la casa. Et c'est aussi la fin de mon vidéo. Donc, et voilà. Fait que la prochaine fois qu'on va se jaser, je sais pas si je vais continuer ça aussi la prochaine fois. Ben, on va peut-être prendre un break puis switcher sur d'autres choses puis revenir sur l'horreur italienne partie 3. Ou ça va être ça. Parce que là, la prochaine partie dans le fond d'horreur italienne, ça va être la série des zombies. Puis ça va être probablement 4 volets la série d'horreur italienne. Ben, j'avais dit 3, mais c'est parce que là, j'ai découvert qu'il y avait d'autres séries aussi. Fait que probablement que le troisième volet, ben pas probablement, le troisième volet, ça va être les zombies. Puis le quatrième volet, ça va être d'autres affaires. On verra rendu là. Fait que on va peut-être faire un film ou deux par rapport à ça d'ici ce temps-là. Là. Donc, et voilà. Fait que, comme toujours, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on se reprend pour un nouvel épisode du Fantasticophile le plus tôt possible, Kélis. Donc, une bonne bière à votre santé.